Mickaël sur Énergie. Mickaël. 01 40 71 5000. Tous les soirs, de 1h à 4h. On va récupérer Jennifer pour le jeu du Janul. T'es là, Jennifer, toujours là? Je suis là. Très bien. C'est allez parti. Hop, Jennifer, on va donc faire le jeu du Janul. On va piéger ta meilleure amie Zora, 45 ans, qui bosse en cafétéria, c'est ça, hein? Ouais, c'est voilà. Ça. Qui toi tu es en maison de retraite à 30 ans et donc ouais. Vous êtes censé aller à Disneyland Paris là bientôt. Bah le week-end du 24. Et ben voilà, pour très Noël. Bien. Elle abandonne voilà. Ses enfants et son mari. Et ben bravo. Hein. Ah, t'as des enfants? Oui, j'ai des attends, enfants. Attends, t'as ouais. Des enfants, tu vas à Disney sans eux? C'est mais ça la raison. Oui. Ah, ils sont grands. Thug faut life. Pas t'encombrer avec c'est ça. C'est ça ma gueule. Bah, autant moi je suis pas fan de parc attraction mais petit, ça m'aurait quand même fait chier que ma mère se barre dans un parc attraction sans moi à Noël. Mais c'est tout à fait ça. C'est un truc de ouf. Ils ont quel âge? Ah mais ils sont grands, ils ont 16 ans et 13 ans. Bah, c'est bon, ça bon, va. Tu rigoles, c'est l'âge où mais t'as oui. Envie d'aller dans les parcs. Non mais après ouais, ils savent très bien que vous savez qui n'existe fois. Pas, donc forcément ça va. Qui ça? Non mais vous savez très bien de qui je parle. Qui n'existe pas? Le monsieur un peu enrobé là. Toff. Oui, Toff, oui. Oui, en fait, je ne suis qu'une invention. T'imagines? Je n'existe que dans votre esprit. Quelle horreur. C'est déjà bien suffisant comme ça. Bon, ok, d'accord. Et donc quoi? Elle a déjà payé? C'est toi qui as payé? Vous avez payé? C'est qui a payé? On a fait moitié-moitié. Ah, moitié-moitié. Non, mais tu sais, parfois, ouais. elle aurait pu t'avancer, tu le rembourses après. Bah bon. Non, non, mais on a fait moitié-moitié. Ok, ok. Et t'as raison, moi, je serais l'enfant, je serais vénère. Quoi. Mais grave. Ça se fait up. Mais grave. 13 ans, t'as envie de faire du. Bah, t'as envie d'aller à Disney, te la ramener, tu fais des photos avec tous tes potes qui ont été en galère. Ouais, moi je passe Noël à Disney. Mais c'est son rêve, faut bien qu'elle le réalise un jour. Mais alors, exactement. Juste un truc, tes enfants ils sont au courant que tu seras pas là? Oui, ils sont au courant. Ah, d'accord, non. Ah, d'accord, okay. Ça a été compliqué aussi. Si, ah, aussi. Bah tu m'étonnes, ouais, ouais. Tu m'étonnes, ça a été compliqué, ouais. Non, parce que sinon on aurait pu les appeler pour leur dire, mais. Ah, oui, on aurait fait une. Attends, on aurait fait une pierre de coups. Mais ça, j'annule vraiment, ça veut dire. Ah, c'est drôle. Bon, ok, Jennifer, on y va. Oui, donc t'as prévu de partir avec. Donc t'annules parce que tu vas passer Noël avec une autre amie qu'elle n'aime pas. Comment s'appelle l'autre amie? Sylvie. Sylvie, et c'est. Elle a un mec? Oui. Elle la connaît? Elle le connaît, pardon? Oui, elle le connaît, oui. Merde. Ok, tant pis, sinon j'aurais pu me faire passer pour le mec. Tant pis. Bon, écoute, qui je peux être éventuellement pour filer un coup de main à Michel? Le la cafette? Le cousin de Sylvie? Ouais, un pote de Sylvie, on va passer Noël ensemble en vraie famille. Voilà, parce okay. Que faut savoir que sa meilleure amie Zora s'est quand même embrouillée avec toute sa famille à cause de ça. Ah bon? C'est ça, exactement. Voilà. La famille de qui? De Zora, parce qu'elle sera pas là pour Noël, la meilleure amie. Ils voilà. Ont super mal pris. Et eux, Noël, vu qu'elles sont beaucoup de sœurs, c'est super important d'être ensemble. Ah, bah oui, forcément, ouais. D'accord. Bon, eh ben écoute Jennifer, on y va, on l'appelle, je te souhaite bonne chance. Tu vas jouer pour repartir avec l'iPad Mini 4 ou la console Xbox One S, tu veux quoi? À la console. La console. Et ben voilà. Abandonné. Oh là, t'as vu comment t'es. Bon, je serai pas là, mais je vous offre quand même une console. Bah, ça va quand même. Ouais, mais enfin, dis que c'est nous qui l'avons offerte à la base, hein. Elle est capable dirai. De dire, oui, c'est bon, je vous l'ai acheté. Ouais, c'est ça, ouais. Et dis-leur de nous écouter en plus. En plus, évidemment. C'est un cadeau. Bon, allez, on y va, Jennifer, on appelle Zora okay. Maintenant, je te souhaite bonne chance. Moi, je suis Michel, un pote, voilà, qui va fêter Noël aussi, au cas où je vois qu'il faut un petit peu la chauffer, je masse. J'ai coupé parce que j'ai allô vu que est devenu rouge, donc pour pas. Ouais, ma poule, ça va? Oui, ça va, c'est pour le Grinch. Ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Ah, pas pour faire des gâteaux, toi, il était dégueulasse tout à l'heure. Non, t'as raison. Regarde dedans avec les stamps finales, ouais. Ah, ouais, moi aussi. Ah, cool. Bon, et t'as vu, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est sympa, j'adore. Bon, alors, faut que je te dise un truc, mais je pense que tu vas pas trop aimer. Il faut que je te dise un truc, mais je pense que tu vas pas trop aimer. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Eh ben, tu sais, Sylvie, avec Laurent, c'est difficile en ce moment. Ouais, et alors? Donc, elle n'arrête pas de m'appeler et tout. Bon, elle est un peu en pleurs, un peu beaucoup même. Et du coup, je sais, ouais, j'ai un peu pitié d'elle, mais je sais pas comment faire. Ça me fait chier de la laisser toute seule à Noël. Et elle a pas de thunes pour venir avec nous. Et puis de toute façon au niveau de l'hôtel ça va être mort. Non mais pour qu'elle réserve. Déjà on en a parlé à midi qu'on a mangé au resto toutes les deux. J'étais déjà trop contente. On devait y aller que toutes les deux. Moi je t'ai dit je fais pas Noël avec ma famille. C'était avec toutes les deux. Déjà on a payé 400 euros. Ouais non mais attends laisse-moi finir. Ouais. J'ai pas dit qu'elle allait venir avec nous. Pour l'instant de toute façon on a pas de thunes. Ouais, mais c'est, enfin, t'as vu comment je suis, ça me fait chier quoi. La pauvre, elle est toute seule et tout.
Ouais. Et si jamais on va pas à Disneyland à Noël, mais qu'on y va un peu plus tard, c'est pas forcément très grave. Non, t'es sérieux? Non, juste pour Sylvie, tu veux changer les trucs? Tu délires ou quoi, toi? Bah, pas qui m'a meilleure amie, changer, c'est toi, mais. C'est pas la meilleure amie de Sylvie, c'est moi. C'est moi et toi la meilleure amie. T'es sérieuse, Jenny? Bah, attends, on s'est énervé, laisse-moi finir. C'est la question des gens. Je suis la meilleure amie, pas l'autre. T'as aussi un petit cœur, toi aussi. Là, regarde, t'as vu, regarde Laurent qui lui a fait. J'ai un cœur, ouais, comme tout le monde, ouais. T'as vu ce que Laurent lui a fait là? Enfin, ça me fait chier de la laisser toute seule à Noël. Elle a pas de thune pour venir avec nous. Et honnêtement, moi, je me sens pas le cœur à partir. On va lui faire un petit cadeau, ça serait sympa, c'est tout. Ouais, non, mais moi, je me sens pas le cœur à partir à Disneyland, même si elle. Ouais, mais c'est pas parce que toi tu l'aimes pas que moi je l'aime pas. Moi, j'ai pas le cœur à partir à Disneyland et elle de la laisser. C'est pas mes meilleures amies, c'est toi ma meilleure amie. À la base, Disney, j'en rêve. Tu en rêves, lol, et tu fais quoi là? Tu veux annuler pour Sylvie? Alors que moi, je devais passer Noël avec mes parents, ma famille. Moi, j'annule pour être avec toi, ma meilleure amie. Allô? Allô? Genre, on peut reporter ou essayer Noël, dans ce cas-là de la faire venir avec nous. Allô, t'es sérieuse? Stop, je parle. T'es sérieuse ou pas? Là, t'es pas obligée de t'énerver comme ça. Écoute au moins ce que j'ai à te dire avant. Ben, t'as pas fini? Je crois que c'est fini. On peut pas la laisser comme une conne toute seule. Elle a du. Non, mais on lui ramène. Je sais pas, elle a de la famille, je crois que. Non, c'est pas un Mickey, un Mini, un truc comme ça, on s'en fout. On peut lui ramener un petit truc au pire, je sais pas. Et puis on lui offre une boîte de croquettes, et puis voilà. Une boîte de croquettes. Ah ouais, mais bon, c'est moi, ça me fait chier. Je crois qu'elle a de la famille ou je sais pas quoi, des cousins, j'en sais rien, qui viennent aussi. Mais c'est qu'elle. Elle est seule, quoi. Ils ont personne. En plus, avec son ex de commencer en ce moment. Non, mais moi aussi, je me suis pris la tête avec Manu et avec les gamins parce qu'on partait à Disneyland. On peut juste peut-être reporter le week-end suivant. On pose des congés. Enfin, je sais pas. On essaye de voir ce qu'on peut faire. On a prévu pour Noël. Point barre. On change pas les plans. Je t'ai dit que moi, je devais faire. C'est qui la meilleure amie? Je le fais pas. Parce que je veux faire avec toi. On doit partir. On a payé. On doit partir. Point barre. Suivi ou pas suivi. Après, on. C'est dit, on lui a pris. Ils peuvent peut-être nous rembourser. Lol. Ah bon? Bah, je crois pas, non. Et puis, j'ai pas envie. J'ai envie d'y aller. Je te dis, c'est tout. Point barre. J'ai envie d'y aller. Voilà. Ah, moi aussi j'ai envie d'y aller, mais c'est que ça me fait chier par rapport à elle. J'ai un cœur, c'est pas le problème, j'ai un cœur. On invitera au resto et puis on dira excuse-nous, mais. Bon, voilà, c'est bon alors, on peut prévoir Noël alors? Bah, je sais pas. Écoute, de toute façon, c'est bon, tu lui as dit, hein, c'est pas ta mère. Hein. Et qui? Ah non, c'est sûr. Allô? Je suis Michel, je suis l'ami de Sylvie. Je suis à l'ami de Sylvie, c'est parce que on va préparer la soirée de Noël là. Ouais, ben je pars pas avec elle, je pars avec ma meilleure amie. Et alors, c'est quoi? Moi, je vais avoir une peluche de Disney. Ouais, super. Oui, ouais, ben, j'ai bien entendu comment tu parles. Heureusement qu'on a mis les haut-parleurs, hein. Sale égoïste, va. Mais non, je suis pas égoïste. J'ai un cœur, mais on devait partir avec ma meilleure amie. Moi, je pars plus avec mes parents. De toute façon, je te préviens, Noël, la meilleure amie de Jennifer, c'est Sylvie. Hein. Allô, je peux parler? La meilleure amie de Jennifer, c'est Sylvie, hein. C'est pas toi. Hein. Alors là. Non mais je crois pas. Mais alors je te connais pas, mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Michel, je viens de Dunkerque. Dunkerque? Ouais. Ouais, et puis alors? Bah moi, je te le dis, tu me connais pas, je me présente. Ah d'accord, salut Michel de Dunkerque, moi c'est Dora de Poitiers. Ah bah génial, j'en ai rien à foutre, j'ai rien demandé. Bon. Comment tu parles, tu me parles autrement? Bah tu me dis je te connais pas, moi je me présente, je t'ai pas demandé qui t'étais. Donc pourquoi tu te présentes? Tu te présentes. Non mais la moindre des choses, tu te présentes et je me présente aussi à mon tour. Non, bah, présente-toi si tu veux, mais je sais même plus où tu viens. Je m'appelle Zora, j'ai 40 ans. Ouais, bah tant mieux. C'est Michel, même. Non mais si c'est bon, on est pas sur un site de rencontre. Hein. Bon, tout ça pour dire que Noël, Noël, Disney, faut oublier. Hein. Tu fais une croix. On en a rien à foutre. Allez, où te dis là? Je vais péter un câble, ce jour, je vais péter un câble. Non, mais voilà. Bon, bah je te. Mais de toute façon, elle est à côté de moi, la mille haut-parleur. Ah ouais, et Jenny, non, c'est mort. La preuve que c'est Sylvie, sa meilleure amie, elle va passer Noël avec elle, donc tu vois. Non, je crois pas. Non. Bah là, j'ai envie de pleurer, sérieux, j'ai envie de pleurer. Mais il faut pas pleurer, hein. Bah tu peux venir mais si non, tu veux. Hein. Non, on peut reporter Noël. Non, mais tu vas me faire pleurer, sérieux, putain, ça me saoule. Mais on reporte à l'année prochaine et on va tous.
Non, j'ai pas envie. Sérieux, j'ai pas envie. Non, c'est prévu comme ça. Je me suis pris la tête et tout. Non, j'ai pas envie. Je devais faire avec mes parents, je le fais pas. Et je dois le faire avec Jenny, ma meilleure amie. C'est pas Sylvie. C'est une copine qu'on a en commun, c'est tout. Après, on y offre un resto, une boîte de chocolat, un Mickey, un Mini, je m'en fous. Mais moi, je veux partir, sérieux. Putain, on en a parlé à midi. Elle a vu, j'étais trop contente et tout, elle aussi. Non, c'est mort. Bon, ou alors on y va tous. Non, je vais avec ma meilleure amie, Michel et Sylvie. Vous faites Noël ensemble, si vous voulez. Non, mais je voulais qu'on passe Noël avec, tu sais, genre à 4, à 5, 6, quoi. Non, je vais partir avec Jenny, c'est tout. Je vais partir toutes les deux. Non, je vais pas en train de pleurer, là, quand même. Mais si, j'ai envie d'avoir les larmes aux yeux, j'ai trop les larmes aux yeux, ça me fout les boules là, sérieux. Putain, et tu m'appelles pour me dire ça, toi, en fait, super, je suis trop dingue, sérieux. C'est que reporté, on peut pas laisser quelqu'un tout seul alors qu'elle est pas bien, tu sais ce qu'elle a en ce moment. Ouais, tu te feras des potes là-bas, tu sais, à Disney, il y aura des gens de ton âge, hein. Genre 3-4 ans d'âge mental. Non mais ça va pas, non, pour que tu te prends, toi. D'où j'ai 4 ans d'âge mental. C'est pas parce que j'ai 46 ans que je suis pas intelligente. Bah, de temps en temps, quand même. Mais non, mais allô, il est fou, lui, Michel de Dunkerque, je sais pas quoi, là. Alors, on a Nabila au téléphone. Ça l'a fait rire, c'est sérieux. Tu rigoles, toi. Donc, il me parle, je sais pas comment, et toi, ça te fait rire. Oh, t'as pas d'humour, T'as pas d'humour, Zozo. Mais si, j'en ai un peu, mais à ce moment-là, non. On annule pas ce qu'on a prévu, sérieux. C'est nul, putain. En plus, à Noël, ça va être trop beau. Putain. En plus, il va pas neiger, j'ai regardé la météo, hein, aucun intérêt. Hein ? J'ai regardé la météo, il va même pas neiger. En plus ? Mais c'est pas on s'en fout, ça ! On s'en fout ! On s'en fout pas, s'il y a pas de neige. Bah, elle est sérieuse, elle, maintenant, on s'en fout pas. Et t'es avec qui, toi ? T'es avec Michel ou t'es avec Dora, en fait ? Bah, là, je suis avec Michel. Ouais, et ben, tu dis à Michel, on s'en fout. S'il y a pas de neige, on s'en fout. Du moment, c'est on s'en fout, s'il fait froid, on se couvre. Moi, j'ai un manteau super chaud, tout va bien. On nous raconte pas ta vie non plus. Non, on y va. Quoi ? Je nous raconte pas ta vie non plus. Je raconte pas ma vie. Hey, tu vas te calmer, sérieux, parce que je te connais pas, mais je te jure. Je m'appelle Michel, je viens de Dunkerque. Ouais, je m'en fous de Michel de Dunkerque, sérieux. Tu restes poli, je reste poli, y a pas de problème, tu vois. Mais on est poli, là. Ouais, non, mais t'as l'air de monter le ton, là. Non, pas avec moi, s'il te plaît, par contre. Ah non, je monte pas le ton, hein. Ben, non, je raconte pas ma vie. J'ai dit, même s'il fait froid, j'ai un gros manteau, y a pas de problème, j'ai mes gants. Ouais, c'est pas ma vie, ça. Ma vie, c'est autre chose. Enfin, de toute façon, alors ça résout pas le problème. Moi, j'ai réfléchi. Hey, oui, de toute façon, Jennifer. Hey, Jennifer, oui, tu peux dire que moi, mon oncle, il bosse à la billetterie, là. Je vais essayer de faire fermer le parc. Moi, j'ai des contacts, j'ai le bras long, hein. Voilà. Comme ça, je suis fermé le parc et puis c'est terminé. Alors là. Non, mais t'es sérieux là ? Non, tu me fais rire en fait. Ouais, non, mais je crois pas, non. Moi, je vais envoyer Mickey Mouse là et toutes les compagnies, je vais les envoyer en vacances, tu vas voir. Non. Mais Michel, putain, c'est nul, sérieux. Jenny, putain, dis quelque chose. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je t'ai dit, je peux pas me faire. On peut pas laisser Sylvie seule en ce moment avec Sylvie. Eh, de toute façon, je comprends pas, moi, je préfère aller chez Astérix, hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, c'est nul à chier, Astérix. Je préfère Disneyland. Ah, moi, je préfère Astérix. Hein. Bah, pour toi, mais vas-y, si t'as envie d'y aller, vas-y. Eh ben, on annule Disney, on va chez Astérix. On va tous chez Astérix. Non, Disneyland. Non, on va chez Astérix. Non, Disneyland. Je préfère prévenir Disney, je n'ai rien contre Disney. Dis quelque chose parce qu'il va m'énerver. Non, on va chez Astérix. On va chez Astérix parce que Astérix, il. Voilà, je vais dire il baise, mais c'est mal. Va chez Astérix et moi j'ai à Disneyland avec ma meilleure amie. Non, mais parce que Sylvie, elle préfère Astérix. On annule pas, point barre. Obélix, il va s'asseoir sur Pluto, tu vas voir ce qu'il va en rester de Pluto là. Ah bah oui, s'il veut. Hein, de toute façon, il défixe, c'est mieux que Pluto. Hein. Non, je crois pas, non. Ah si, non, si, non. Il a plus le style. Hein. Non. Astérix, il arrive, tac, 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 il arrive, paf, il met une droite à Mickey, il n'y a plus de Mickey. Bon, on annule alors ? Non. De toute façon, oui, on annule. Allez ! Non ! Sérieux, Jenny ? Non, tu crois pas. Et en plus, il y aura même pas Olaf à la parade, là. Je lui ai mis un coup de pied dans le cul, il est parti aux États-Unis là. N'importe quoi. Tu connais Olaf, toi ? D'où tu connais Olaf ? Bah, attends, c'est mon gros, Olaf, tu rigoles ou quoi ? D'où ? Tu connais Olaf, c'est Dunkerque. J'ai même plus parlé, tellement il m'énerve. Et il fait bugger au niveau de mes paroles, sérieux. Attends, mais moi, je connais Olaf, moi, c'est un ami à moi. Jenny, tu dis à Michel qu'il te fait un petit peu et tu prends tes décisions comme on a pris à midi. J'étais trop contente. Eh ben voilà, on a pris la décision, on va chez Astérix.
Non, putain, t'es sérieuse? Non. Moi, je fais Noël avec Sylvie. On va chez Astérix. Non. On va chez Astérix. Non. On va chez Astérix. On va chez Disney. On va chez Astérix. Putain, Disney, il va m'énerver. Putain, sérieux. On va Disney. On va chez Astérix. Et tu m'appelles avec un mec que tu connais pas et putain ça me saoule. On va chez Astérix, Astérix et Obélix, Obélix et Idéfix. En fait. Ouais, de toute façon, Falbala est plus belle que Mini, hein. Non. Bah t'as rien à voir, bah oui mais non. Non. On va chez Astérix. Oh là les Mini. Non, Disney. Point barre. C'est moi qui commande aussi. Bon ouais, c'est non, ça. Ouais. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Voilà, et le nécessaire, c'est d'aller chez Astérix. Non. Ah, Disney. Non. J'ai décidé que non. Bon, elle est autoritaire, Jennifer. Non, hein. Disney, mais ouais, elle est autoritaire, ouais. Elle est autoritaire. Ah, Jenny, dis quelque chose. Oui. Bah ouais, elle dit qu'on va aller chez Astérix. Non, je vais dire Vinny, mais c'est dans sa bouche, je sais pas où ça mange, je sais pas, mais on va Disney. Non, Zora. Oui, faut moi. Pas te mettre dans des états pareils quand même. Merci. Bah non. Merci, je vais à Disney. Mais non, faut pas te mettre dans des états pareils. T'es en direct sur Énergie. Pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Ah, Mila est contente, hein. Elle dort, c'est chaud. Bon, Zora. Oui, Coé, salut. Non, c'est fini ça, maintenant c'est Mickaël. Et en plus, c'était pas ce temps-là, Zora. Tu suis rien du tout, toi. Hein. Rien de rien. Et puis, j'ai les cheveux, moi, encore. Pour l'instant. Et mais vous pas critiquer parce que. Quoi et tes mains, c'est beau gosse. Oui, c'est une question de goût après. Mais... C'était mince par rapport à. Oui, mais bon, enfin bref. Bon, hey, Zora. Xbody. C'est vrai. Zora, bon, c'était un canular, tout va bien. Ah oh, putain, yes. Bon, finalement, tu gagnes. Eh, hey, finalement, tu vas pouvoir aller voir. Tu vas pouvoir aller au parc Astérix. Non, t'es sérieux? Non, arrête. Non, arrête. Non, c'est gratuit, on t'offre des places. Mais qu'est-ce que t'as contre Astérix? C'est chouette aussi, non? Non, j'aime pas du tout, je préfère Disneyland en fait. Oui, non, mais d'accord, ok, mais je te dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est bien aussi. Ouais, peut-être, mais je préfère Disneyland. C'est son rêve. Oui, Disneyland. Bon, c'est bah très rêve, bien. Ouais. Bon, allez, bon, bah Jennifer, on file le cadeau, tu gardes le cadeau ou on le file à Zora? Bon, je le garde, que dalle. Ah bah voilà, très bien, bah bravo Jennifer. Une Xbox One S, Zora. Hein? C'est pas grave. Bon. Non, le cadeau, non, c'était vas-y, répète, le cadeau, entendu, c'est le cadeau, c'est une rencontre avec Mickey, le vrai. T'as pas de chose. Bah, L'autre, elle nous fait chier pendant un quart d'heure. Elle va absolument voir Disney. Là, elle peut pas. Elle rencontre Mickey, c'est pas bon non plus. Ah bah, je te jure. Bon, Zora et Jennifer, je vous repasse à Mina. On va prendre vos coordonnées, d'accord? Ok, d'accord. Salut les filles, ciao et merci, bon séjour. Salut, à bientôt, bye bye.